Allez, s'il te plaît, viens. Alors, je tenais à te remercier de m'avoir conduit de manière spéciale aujourd'hui. Non, il n'y a pas de quoi me sommeiller. Je n'oublierai pas cela. Au fait, on trouve quelque chose à... Non, c'est pas possible, je dois rentrer. Ok, je peux dire on t'apprête une chambre, tu passes juste la nuit ici. C'est justement la raison pour laquelle je dois partir, parce que... Ah, tu sais ce qui va arriver, madame, elle va seulement me traiter. Ok. Au revoir, madame. J'ai compris. Je vais donc s'il te plaît, tu prends bien soin de lui pour moi. Hein? D'accord, bye. Okay. Et comme ça, dès que tu arrives, tu m'appelles. Ok. J'ai perdu une minute. Oui. Oh. Tu me rends heureux, ma chérie. Vraiment? Je savais bien que tu viendras ici un jour. Oh. On va dans la chambre? Oui. Ok. Oh. Oh, il fait chaud ici. Bonjour mon cri-cri d'amour. Comment tu vas? Je vais bien. Tiens. Tu prends un verre? Non, merci. Alors, tu as réussi à le convaincre? C'est juste hier que nous sommes revenus de la lune de miel. On y ment. Mais Pameda aurait pu être l'endroit idéal pour l'amener, non? Et toi, as-tu oublié le plan? Je sais, mais j'ai réfléchi et j'ai réalisé qu'il se faisait trop tôt. Se fait très tôt. Se fait très tôt? Pamela, tu me surprends là? As-tu oublié la raison première pour laquelle tu t'es mariée avec ce type? Je sais. Mais ceci est une chose sur laquelle on doit réfléchir. Il faut surtout pas qu'il me suspecte. Tu vois? Pamela, tu me connais. Tu sais que je suis un gars très jaloux. Et tu penses que je vais rester là pendant combien de temps à regarder ce gars te toucher, t'arrêter, te faire ce qu'il te fait là? Ceci ne doit pas t'inquiéter, Terry. Tout ce à quoi tu dois penser maintenant, c'est je m'en fous putain de toi. Je ne m'en fous en fait. Je vais arrêter cette histoire là, je crois bien. J'en ai assez. Tu deviens fou quoi? Je pense que tu deviens fou. Ce type n'était même pas d'accord avant qu'on se marie. Alors j'ai changé ma pensée.
J'ai changé ma putain de pensée. Mais t'inquiète pas, je vais faire quelque chose. Je vais travailler, garder de l'argent, nous amener aux États-Unis et c'est là-bas qu'on va se marier. Pendant combien de temps penses-tu travailler pour obtenir le montant qu'il te faut? Je vais travailler aussi longtemps que cela va durer. J'ai juste envie de te voir loin de ce gars. T'inquiète pas. Bon sang, mais ceci est un business lucratif et peu de personnes sont impliquées. J'ai changé ma pensée. Mais qu'est-ce que je suis supposé faire maintenant? Pam. Attrape-le. Fais en sorte qu'il fasse de toi la signature de son compte bancaire. Et c'est tout. Je ne veux pas être une charge pour toi, Richard. Nom de Dieu, je veux travailler. Je voudrais également produire de l'argent. Mais je croyais qu'on allait à classer cette affaire. Oui, bien sûr. Je voudrais surtout pas être une consommatrice. Je ne veux pas dépendre d'un homme pour la vie. Pamela, je ne suis pas juste un homme pour toi. Je suis ton mari. Est-ce que tu comprends? Je ne dis pas le contraire, mais mes parents aussi ont besoin des soins. Tu ne t'attends pas quand même à ce qu'à chaque fois qu'ils ont des besoins, moi je te tende la main. Pamela, tu t'inquiètes pour rien. Mon business est tellement grand. Je peux m'occuper de toi, tes besoins, de ta famille. Tu comprends ce que je dis? Oui, je sais. Mais pendant combien de temps vais-je te tendre la main chaque fois que j'ai un besoin? J'aimerais avoir accès à mon propre compte pour qu'à chaque fois que j'ai un besoin, j'y vais toute seule. Est-ce de ça dont tu as besoin? La signature de mon compte? Oui. Mais à une condition. Ne t'en fais pas. Tu auras accès à mon compte comme tu veux. T'es d'accord? Merci, mon cœur. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Pamela, je n'aime pas quand tu dis des choses pareilles. Est-ce que tu avais besoin de tout ceci pour être rassuré? Faudrait qu'il fasse des trucs pour te prouver mon amour. Je suis désolée si je t'ai offensé. Mais je ne suis pas sûre de ma position financière. Je ne vais quand même pas te supplier à chaque fois que j'ai un besoin. Tu n'as pas besoin de me supplier. Mon business, c'est ton business. Mon agent, c'est ton agent. Tu n'as pas besoin de me supplier pour cela. Je suis désolée, mais je n'avais pas encore compris cela. Et maintenant, tu me laisses bien compter sur toi. Certainement. Autre chose. Quoi? J'ai été à l'hôpital ce matin et le docteur m'a confirmé que j'ai un retard d'une semaine. Un retard? Pamela, tu as un retard? Bien sûr que je suis enceinte. Tu as un retard? C'est une bonne nouvelle.
Ça vient me combler le cœur. Je suis en retard. Là, je suis vraiment content. Je sais pas. Je me sens bien, tu comprends cela. Maintenant, laisse d'abord que je me concentre ici, ok? On parlera de tout cela encore après. Bonjour mon univers. Demande-moi quoi? Demande-moi quoi? Mais quoi? Putain. Richard. Quoi? Je lui ai simplement demandé que j'avais besoin d'avoir un compte et comme ça je pourrais retirer de l'argent chaque fois que j'ai un besoin. Crois-moi. Oh mon bébé! Moi. Bébé, ça a été trop facile. Je peux pas imaginer ça. Bébé, t'es un ange. Waouh, Dieu, oh, ok, tu sais quoi? On doit commencer la procédure de visa. Je sais que tu ne croyais pas capable de cela, mais j'ai réussi, tu vois? Et il a juste cru comme ça. Juste comme ça. Ce gars doit être malade au point de croire une femme. Qu'est-ce que tu me dis? Oui! Look, je veux dire, le cœur d'une femme, c'est comme une boîte de Pandore. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut que tu entres d'abord et que tu découvres ce qu'il y a. Oh, tu ne crois pas? Si je vais, mais à un certain niveau. Mais alors, tous les hommes veulent croire aux femmes, mais c'est juste que c'est compliqué. Mais qu'est-ce que je fais ici? Bon sang, je vais tout saccager, je vais tout foutre en l'air, tu comprends? Hé, 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 bébé, viens s'il te plaît. Hey, non, attends. Mais, pourquoi est-ce que tu réagis ici? Non, s'il te plaît, je suis désolée, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. S'il te plaît, viens. Alors, c'est toi. Si je le dis, c'est parce que la majorité des filles le sont. Dis, j'ai été déçue plusieurs fois de suite. Bébé, s'il te plaît, je sais que tu ne m'as jamais menti, hein? Et s'il y a une seule femme que j'ai cru dans ma vie, c'est tout. Et plus j'avance en souris maintenant, plus j'avance en souris maintenant. Richard, je suis vraiment désolé. Je ne pouvais pas être à ton mariage. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai amené ici, afin que je puisse m'excuser. Je suis vraiment désolé. Pas de problème. À la même période, j'ai reçu un appel des États-Unis par rapport à un partenaire là-bas à une association. Ok. Donc, et je savais pas que ton mariage était une urgence. Je te souviens la dernière fois qu'on s'est vu ici, tu m'as juste expliqué ça en suspens. Bien. Je ne forcerai pas à nouveau une femme à être souple dans ma vie. Tu sais, hier elle m'a dit qu'elle avait un retard, donc elle ne voyait plus la lune. Et là, je suis joyeux. Je sais pas si tu comprends. C'est un jour de joie. Et comment était le mariage? Oh, c'était grandiose. Et comment va la mariée? Non, elle se porte très bien. Richard, je suis désolé pour cette question. Mais dis-moi, est-ce que tu as mené des enquêtes suffisantes pour être sûr que tu n'auras pas de problème sur cette fille? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois, toi et moi, nous sommes amis depuis très longtemps. Oui. Et je ne vais jamais croiser les bras et regarder quelqu'un ruiner ta vie sans rien faire. Patrick, est-ce que tu sais que tu n'es pas très clair dans tes propos? Tu vois, ta femme me donne l'impression d'être égoïste. Je l'ai vu dans ses yeux. Tu vois, je ne l'ai jamais vue, je n'ai jamais eu l'opportunité de la rencontrer.
jusqu'à ce que je la vois toujours aujourd'hui chez toi. Et quand j'ai demandé à le faire plusieurs fois, et l'impression que j'ai eue, je t'aurais conseillé de ne pas l'épouser. Es-tu sûr de ce que tu dis? Ce que je veux dire, c'est que tu dois faire extrêmement attention. Parce qu'elle a de très mauvaises intentions. Son plan, c'est de pouvoir te prendre et ensuite te ruiner et t'abandonner. Patrick, Pamela, est une bonne femme, tu comprends, elle peut être un papillon. Elle ne peut pas le faire. Je connais cette fille. Elle était d'abord mariée à mon boss. A été mariée à ton patron? Patrick, tu es en train de déconner. Pamela n'est jamais sortie de ce pays. Oh Richard, ça c'est ce qu'elle t'a toujours dit. C'est la raison pour laquelle tu m'as invité ici aujourd'hui. Je suis désolé, je vais aller prendre de l'air. C'est pourtant la vérité que tu vas m'excuser, mais là je te vois en plein. Mais madame, qu'avez-vous fait? Désolé, monsieur, je suis vraiment désolé. Pardonnez-moi. Non, ça va. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Ça va, je vous dis. Non, vous pouvez partir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Puis-je vous aider? Ah, je voulais juste vous saluer. Ok. Est-ce que je vous ai connu avant? Oui. Souvenez-vous de la fille qui a renversé votre verre l'autre soir? Ah, ok, je vois. Je suis désolé. Oh, la femme qui m'a bousculé et m'a fait rentrer à la maison. Je suis désolée si... Non, ne vous inquiétez pas, ça va. Ok. Mais sinon, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis venue avec mon petit frère, il est là. On va se rencontrer ici. Ah, ok, je vois. Ne restez pas debout. Oui. Garçon, une minute, s'il te plaît. Vous savez, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de croiser une si belle et jolie femme comme vous. Merci. En passant, mon nom c'est Richard Fernandez et je travaille à la société Fernandez Group. Je suis Pamela Richard. Pamela quoi? Richard. Vous avez le même nom que moi? C'est juste une coïncidence. Ça c'est une vraie coïncidence. Après la première, bien sûr. Pamela Richard, tout ceci est magnifique. Merci. Tu es la bienvenue. Puis-je vous offrir quelque chose à manger là? Oui. Juste un plat. Tiens,
Tout le plaisir. Enchanté. S'il vous plaît. Sinon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis une modéliste. Et quel genre de modéliste? Je travaille dans une structure de beauté qui fait dans l'entretien des futures Miss. Et j'aime aussi tennis une fois. Donc je suis comme ça avec une reine de la beauté. Et qu'en est-il de ton frère? Ah, que puis-je vraiment te dire au sujet de mon frère? Il est multifonction, il fait dans l'infographie, le management aussi, et il écrit des scènes de théâtre. Il aimerait dans 2 ans être un parfait scénariste. Et j'aime le courage de mon frère. Vous savez, il ne lui ou plus que des actionnaires pour l'aider à réaliser son projet. Je comprends. Alors, j'ai une question. Le fait de te rencontrer toujours ici éveille un peu ma curiosité. Je ne sais pas si tu comprends. Je viens ici pour tenir compagnie à mon père qui vient tout le temps répéter ses scènes de théâtre. D'accord. Es-tu mariée? Pas vraiment. Alors, as-tu un copain, un fiancé? Es-tu occupé? Et pourquoi me poser toutes ces questions? Disons que j'aimerais en savoir plus sur ton sujet. Tiens, cher petit ami, mais notre relation n'est plus vraiment sérieuse. Voilà. Pourquoi? J'aime pas les gens qui jouent le papillon et j'attends juste un bon prétexte pour me séparer de lui. Que dirais-tu si je voulais me marier avec toi? Je ne sais pas. Je voulais dire, je ne vous connais pas vraiment. Je peux comprendre. Bien. Je pense qu'il est une bonne personne. Et que tu auras... Je crois que tu auras le temps de bien me connaître. Et je te dis... Quand te mariant, tu sauras que tu aimes cet homme. Bien. Ne gâchons pas les moments que nous passons maintenant. Nous en reparlerons plus tard. Je te souhaite un très bon appétit. Oh, mesdames et messieurs, ce jour... est un jour merveilleux pour moi et pour mes collègues, mes amis et ma fiancée que je vous présente là maintenant. J'organise cette partie, ce cocktail, pour exprimer ma joie et démontrer combien de fois je t'aime.
J'ai une requête à vous faire. Ne me posez pas les questions pourquoi j'ai organisé tout ceci. C'est vrai, j'ai préparé un gâteau, mais c'est pour notre anniversaire à nous tous. Vous voyez, vous faites partie de ma famille et je vous aime tous. Et nous pourrons trinquer maintenant en l'honneur de l'amitié et de la famille. Tchin. Oh, je vous aime tous et je sais aussi que vous m'aimez. Je vais être ton épouse. Ah, Pamela, tu acceptes de marier avec moi? Tu viens de le dire. Et j'ai vraiment remarqué que tu es le genre d'homme en qui je peux faire confiance. Et que toi et moi sommes faits pour vivre ensemble. Oh. Pamela, j'ai juste envie de t'épouser. Tu veux vraiment te marier avec moi? Oh. Je te promets de t'aimer sincèrement. Oh, je suis content. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'il y a quelque chose qui te trouble. Je sais qu'il y a quelque chose qui te dérange vraiment. Et tu ne le partages pas avec moi, ta femme. Avec qui comptes-tu le partager? Un étranger? Ce n'est rien de grave. Je veux savoir. Je peux te soutenir aussi. Bien. Une de mes nièces a été punie à cause de son apparence bizarre. Et c'est tout? Oui. C'est pour ça que tu es aussi anxieux? Ah, bien ce que tu dois comprendre. Tu peux l'amener en vie ensemble. Surtout si c'est ton neveu. C'est ce que je pense aussi. Tu te rends compte que son père a refusé de payer sa scolarité?
elle reste là et c'est elle la risée de son école. Moi, je n'approuve pas cela. En plus, il traite sa femme d'adultère. Pourquoi? Il prétend que l'enfant qu'elle a eu n'est pas de lui parce que l'enfant ne ressemble pas. Et tu vois, tout homme serait méfiant en connaissant sa femme qui est plus jeune beaucoup autrefois. Et tu vois, il observe l'enfant tous les jours pour remarquer comment est-ce qu'il est ressemblance, mais il ne trouve pas selon lui. Je pense pas qu'on doit le blâmer. Cela dépend de comment l'orienter dès son enfance. Tu as raison. Il a été même expulsé de son établissement à cause de la tétutesse et il refuse de continuer de fréquenter. Que vais-je faire pour cet enfant? Vous n'avez pas le forcer. Il a sa vie à vivre. De toutes les façons, Terry veut venir passer le week-end avec nous. Bien pensé. Je l'aime beaucoup, ce gentil garçon. Et c'est quelqu'un de vivable. Oui, il est un bon garçon. Salut, bébé. Comment vas-tu? Alors, qu'en est-il du scénario? Bien. Le petit déjeuner est prêt. Ça peut pas attendre. J'arrive. Non, maintenant. Tu sais que Richard t'apprécie beaucoup et toi tu le fais attendre ici avec la cigarette. Ok, j'arrive. Il est à la salle à manger. J'ai fini d'apprêter la table, alors il t'attend. Ouais, je viens. Allons-y. Hey, c'est quoi cette histoire-là? J'ai besoin d'un bisou. Dépêche-toi. Où étais-tu? Oh bébé, je suis allée faire un tour à la fin. Bonjour Tony, comment tu vas? Merci beaucoup. Waouh, ce petit déjeuner ne pouvait pas être bon sans. Chérie, Terry dit qu'il va partir. Je l'ai supplié de rester, mais s'il ne veut pas m'écouter. Veux-tu savoir pourquoi? Eh bien, il y a un script que je suis censé livrer depuis. Et mon producteur, il se fâche contre moi si je ne lui livrais pas ça ce week-end. J'ai déjà fait presque 7 mois avec. Tu peux finir ton script ici. Je vais juste pour 2 jours, pas plus. Et toi, tu peux rester dans le coin et question de veiller aussi sur ta soeur. Spécialement à cause de son retard, elle aura besoin de compagnie. Pamela est enceinte. Je suis désolée, Terry. Je croyais t'avoir dit. Cela m'est sorti de la tête. Bien. Merci et mes félicitations. Merci. Car bientôt je vais devenir tonton. Je suis d'accord avec toi. Et tu vois, Pamela est une femme très créative. Je peux comprendre. Ah oui, Pamela, elle est super. Mais des fois, c'est aussi être un sujet de distraction comme t'as pas idée. Et le script dont il est question, c'est un script de haut niveau, de grande qualité, qui a besoin de beaucoup d'attention. Qui nécessite vraiment un environnement très calme, très très calme, sans distraction, si vous voulez. S'il te plaît, Terry, reste. Tu sais, je ne veux pas te distraire. Oh oui. S'il te plaît, tu sais que je t'ai toujours assisté lorsque tu devais répéter une scène. Tu sais combien de fois j'ai contribué pour ça. Je ne veux pas que tu fasses des erreurs dans ce scénario. 2 valent mieux qu'un, tu sais. Et ceci sera ton plus grand show. Et j'aimerais que tu gagnes plusieurs prix. Ok, c'est cool. Écoute, Serette, je vais rester. Merci. 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 Non, c'est moi qui vous remercie de m'héberger chez vous. Non, qui a préparé ça? C'est vraiment super. Ah, c'est toi? Bébé, je vous manque tellement. Terry me tient compagnie, mais pas comme toi. Bébé, je veux que tu me touches et que tu fasses de moi une femme accomplie. Oui. Je suis contente de pouvoir le soutenir
Et il est également heureux de me voir auprès de lui. Oui, je vais lui transmettre des salutations. Ok, baby. Bye. Attends, dis-moi, c'était qui? Tcha? Il te salue. Ce gars, il fait rire. Il est très drôle, moi. Il voulait que je sois... Non, jamais. Ce gars-là, il va nous manquer. Je t'attendais à ce qu'il dise, quoi. Tu apportes à sa femme une merveilleuse compagnie. Oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Et tu mérites un bon dîner. Très cher. Non, 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 pas juste pour le plaisir. Oh. Mais plus que ça. Trésor. Oui. Je t'ai gardé un chèque d'un million de francs pour soutenir ta couche. Fais ton argent poche. Oui, je le pense aussi. Ouais, mais. Non, attends, laisse-moi voir. Pas lui encore. Je pas lui plaisir, encore. Oh non, non. Avec ce scénario, mais tu sais, c'est pas le genre de compagnie que toi tu pourrais me. Bébé, je veux que tu me touches, que tu me fasses l'amour et que je sois une femme complète, tu sais. Tout ira maintenant. Maintenant que je suis rentrée, je promets de rattraper tout le temps perdu. Je suis là dès maintenant. Complètement. Ok. Et ton frère, comment il va? Il écrit un scénario dans la chambre. Bébé, tu as besoin de voir ce scénario. C'est l'un des meilleurs qu'il a écrit. Ok, on verra ça. Je suis sûr que tu l'as beaucoup aidé. Sûr. Je lui ai apporté mon inspiration. Tu sais, Terry ne savait pas qu'il pouvait écrire un script aussi merveilleux. Lui, au moins, il utilise son temps sagement. Bébé, tu as besoin de comprendre. Le dîner est déjà prêt. Et Terry t'attendait afin de manger ensemble. Tu sais, il ne veut pas manger sans toi. Ok, ok, pas de problème. Est-ce que je t'accompagne? Ok. Je sais qu'il est parti au boulot. Mais tu es dans notre chambre. Rien à foutre. En plus, t'es ma soeur, t'as oublié. Allez, viens, tu me dis. Il fallait m'appeler d'abord. Comme ça, je vais te retrouver dans la chambre d'amis. Ok, je suis désolée. Mais tu sais que tu m'as manqué, bébé. Attends, viens là. Ok, tu vas aussi. Allez.
Bon arrivée, patron. Oui, Georges, comment tu vas? Je veux dire, il le blanchisseur est venu prendre les chemises. Non, il n'est pas venu. Il est revenu. Non, mais c'est possible. Ok, c'est pas grave. Ok, il est revenu. Non, mais. Vite dans la douche. La douche? Non. Vite. Non, je peux pas. Je crois que ce sera mieux sur le lit. D'accord. Entre, descends. Désolée, je t'ai fatiguée, c'est pourquoi je t'ai pas ouvert la porte. Attends. Non, c'est pas grave. En fait, j'ai oublié une chemise. Non, c'est hors de la banderie. Tu oublies ça quelque part dans la salle d'études. Mais je dois changer quand même ma cravate. Parce que... Ta cravate est jolie. Elle marie avec ta chemise, ton pantalon long et tu es vraiment bon avec. Tu vois? Peut-être qu'il a vu ça et il a gardé un endroit sûr. Georges! Georges! Dima! La grande enveloppe qui était ici. Oncle l'a gardé dans la banderie. Tu vois, je t'ai dit que c'était dans la banderie. Permets-moi d'aller chercher. Bien dit que j'avais laissé ça ici, nulle part ailleurs. Bon. Je crois que là maintenant je vais retourner au boulot. Je le ferai. On se voit plus tard. Ok. En passant, où est Thierry? Ah, il est dans la chambre d'amis. Pas de problème. Je voudrais juste qu'il fasse une petite chose pour moi. Si tu pouvais attendre jusqu'à ce qu'il finisse. Il écrit ses scénarios et il ne veut pas être dérangé. Il est vrai que ce que j'allais dire est important, ça peut attendre. Mais... Demande juste une minute de son temps. Qu'est-ce que le téléphone de Thierry fait ici? Tu sais, il attendait un appel de son producteur et il m'a demandé de répondre parce qu'il ne veut pas lui parler maintenant. Je vois, donc c'était juste. Alors, producteur, Thierry n'est pas à côté. Il est sorti sans son téléphone. Je pense qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il a laissé à la maison. Oui, c'est au sujet de son scénario. Il est sorti. Je voulais juste vous faire comprendre que cet appel n'a rien à faire avec Thierry ou un quelconque producteur que ce soit. C'est noté. Oui, tu l'auras pendant le week-end. Désolé pour le retard. Il t'appellera à son retour. Désolé. Ok, tu verras Thierry derrière moi et dis-lui de m'appeler à mon bureau. Ok. Ok, prends soin de toi. Bye. Où étais-tu, Thierry? J'ai entendu l'humain disait qu'il a oublié quelque chose dans la panderie. Et je savais que sa prochaine destination sera la panderie. Donc, je me suis déplacé pour la salle de bain.
Je suis ingénieux. Alors, il est où? Il est retourné au travail. Je t'ai toujours dit de ne pas venir me retrouver dans ma chambre, mais tu ne veux pas m'écouter. Tu dis t'attraper. M'attraper? Bébé, tu as oublié. M'attraper. J'appelle directement ma green team. Hein? De toutes les façons, je suis désolé. C'est la dernière fois que ça se reproduit. Ok. On va se voir ailleurs. Oui. Permets que je nous apporte quoi manger. J'espère qu'il est plus là. Hein? Allez, viens là, que je porte. Allez. Permets que je regarde s'il n'est pas dehors. Ok, 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 d'accord, ça va, ça va. Attends, je me rassure. Fatiguée. T'es fatiguée. J'ai faim. Ouais, ça aussi. Se voit. Oui. Hey, t'as faim? Mais t'as mangé, non? Tu sais, le bébé dans mon ventre a besoin de nourriture. D'accord. Oui, bébé. Terry, j'apprécie énormément le fait que tu restes autour de ta soeur. Parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait l'arriver. Non, il n'y a pas de problème. C'est ma sœur. En plus, je suis celui qui devait prendre soin d'elle. Comme je l'ai dit à ta sœur, je suis en train d'aller aux États-Unis. Comme ça, là. Et le vol, c'est pour ce soir. Et je ne voudrais pas qu'elle se sente seule, tu vois, tandis que tu es là. Et je te fais confiance. Non, il n'y a pas de problème. Je vais prendre soin de ma sœur. Chérie, t'inquiète pas. Hein? À partir de demain, je voudrais que Georges parte à l'école parce qu'il ne doit plus rester à la maison. Je pense que ça c'est une bonne idée. Et si tu as une préoccupation ou un besoin, tu peux voir ta soeur. Il n'y a pas de problème. Merci. N'oublie surtout pas d'aller voir le docteur. Prends soin de toi, ok? Je ferai. Merci. Et si je venais avec toi à l'aéroport? Oh non, 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 ne t'en fais pas, Georges va m'accompagner, tu vois. Et je voudrais surtout pas la stresser. Hein. Oh, t'es si chanceux d'avoir un mari si compréhensif. Je le suis. Je suis un papa. Je suis chanceux. Prends soin de toi. Bye bye. Être forte. Nous devons bouger d'ici le plus tôt possible. C'est le moment. C'est le moment. Je pense que c'est à cause de cette fille-là que nous sommes passés par ces chemins un peu tortueux pour acheter ce matériel de mauvaise qualité. Bonjour. Bonjour, Georges. Je suis en train de partir à l'école. Et la voiture bleue est déjà prête. Merci. Le gardien a lavé ma voiture. Oui, ma. Rassure-toi que tu ne cherches pas de problème, ok? Oui, ma. Oui, ma. Rassure-toi que je n'entends jamais de mauvais rapports de toi. Tu as compris? Oui, ma, je ferai attention. Et aussi, il faut prendre tes études au sérieux. Oui, ma. Quel chemin tu empruntes pour aller à l'école? Oui, c'est sur le chemin de l'agent d'entretien. Tu peux partir. J'espère que tu ne vas pas aller t'égarer. Hein? Non, je ne vais pas m'égarer. Ok, bye. Je reste vraiment un gars humble, je te dis. Tu as raison. Merci Dieu pour la compréhension de mon mari. Sinon, son avenir aurait été détruit. Qu'est-ce qui se passe, bébé? Qu'en est-il de nos visas? Ça sort le mois prochain. Dans un mois? Ah, c'est trop loin! Non, non, pas si loin. Tu connais bien ce que cet Américain a fait au Nigérian. Tu sais, avant d'avoir ton visa, tu dois d'abord te faire une demande et puis passer un interview. Et cela ne te garantit même pas que tu auras le visa.
Tu vois, ce que j'essaie de faire pour nous, c'est voir comment est-ce qu'à la fin de ce week-end, je pourrais avoir ces visas sans passer par tous ces stages-là, tu vois. Hey, allons, arrête de stresser, arrête d'inquiéter. Tu vois, on a toute la maison pour nous, tu vois. Alors, bébé, qu'est-ce que tu as dit? Petit déjeuner? Ou alors, tu veux qu'un jour, je t'ai. Ah bon? Du genre, tu vois. Petit déjeuner d'abord. Tu penses que tu es sage, hein? Ok, on va voir qui est le plus sage. Georges, pourquoi l'image n'est pas claire? Oups. Je crois que quelque chose a dû se passer. Mais t'inquiète pas, c'est pas un problème. On va juste faire ceci. On va changer de caméra pour une autre caméra comme ceci. Ouais, et je crois que c'est cool. Là, tu as tout le plan. Donc, tu as toutes les images là, celles de... Ouais. Donc il revient à son objectif. Ouais. Hé, hey, bébé. Hé, hey, tu vas bien? Non, mon ventre. Hé, hey, j'ai un petit garçon. Ah, t'inquiète pas, ok? S'il te plaît. Oh, désolé, ma puce. Ça va aller, vas-y. Vas-y, couche-toi. Ah, hé, dis-moi. Ah, mon Dieu. Oh, tu es belle. Merci. Et comment va mon gars? Ah, faut pas casser le dos de mon gars, s'il te plaît. Papa, est-ce qu'il est facile? Il n'est pas facile du tout. Oh, il faut le voir. Oh oui. Arrête. Ah, ça c'est cool. Tu sais quoi? Ta situation est vraiment compliquée, mais toi t'es trop fort. Je sais pas comment tu réussis à t'en sortir. C'est pas facile. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que regarde-toi. T'as pris une femme qui est supposée être ta femme, mais qui couche partout avec son faux frère et qui est venue te mentir sur une fausse grossesse. Et au-dessus de ça, veut te ruiner tout ce que tu as eu à travailler toute ta vie, tout ton argent. Tu vois, ce n'est pas sérieux. Tu sais, Georges, personne ne vient ici tous les jours. Quand mon ami Patrick m'a parlé de cela, je n'ai pas cru. Mais bon, toi tu as décidé de m'exposer tout ça en vidéo. Je laisse la vengeance à quelqu'un d'autre. Et tu sais, personne ne vit pour toujours. Gars, tu ne vas jamais cesser de m'étonner. Je veux savoir c'est quoi le problème. Pourquoi m'as-tu demandé de mener des enquêtes alors que tu savais que tu n'avais aucune intention de la poursuivre? Hein? Je pensais que l'idée c'était de la poursuivre et l'envoyer face à la justice. Lui montrer que toi aussi tu es aussi sage. Georges, il y a certaines choses qu'il faut oublier et laisser passer. Tu vois? Ouais. Si je décide d'être méchant envers eux, quel profit aurais-je? Que gagnerais-je à faire du mal à des humains comme moi? Mm-hmm. Tu sais, personne ne vit pour toujours. J'ai un ami aux États-Unis et qui va nous aider à avoir un compte de domicile. Donc, on va juste transférer l'argent avant de partir. Je t'avais bien dit qu'il fallait qu'on ouvre un compte ici et qu'on y transfère de l'argent dedans. On pourrait nous duper. Ce gars, je ne le connais pas vraiment. Non. Si c'est par rapport à celui-là, je te dis, ce gars, c'est un gars sérieux. Je te dis, lui et moi, on a commencé depuis. Je te dis, ok? Donc, tu dois me croire, ok? Tu penses que je vais prendre mon argent, aller donner à quelqu'un qui va juste nous frapper? Non, c'est pas sérieux, je peux pas le faire. Il me connaît, il n'a pas besoin de notre argent. Bien. J'ai découvert par le comptable de Richard
qu'il a une somme en liquide de 500 millions de naira. Waouh, c'est top, c'est trop cool. Cet argent. Alors il est hors de question qu'il soit détourné par un intrus. Tu as compris? Ah, Pamela, Pamela. Ah, tu t'inquiètes trop. Hein? Ne t'inquiète pas, c'est à moi que tu donnes. Et tu ne penses quand même pas que je vais prendre tout cet argent-là, aller donner ça à un étranger que toi et moi ne connaissons pas. Ah, vas-y, arrête ça. C'est moi. C'est moi. Tu te rappelles? C'est moi. Hein? Allez, viens, 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 viens. Okay. Viens, 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 viens. J'ai quelque chose pour toi. Allez, viens, embrasse-moi d'abord. Ah, je suis cher de toi. Tu as l'air jolie. Hé, hey, attends, attends, ne me dis pas ça. Allez, viens, viens d'abord, viens, danse. Allez, viens, on part. Allez, bonjour. Allez, on doit aller faire le poste et tout et tout et tout. Oui, je sais. Je sais que t'es la plus belle, t'es la plus jolie, la plus gentille. T'es la plus belle. Allô? Salut, bébé! Comment vont les États-Unis? Jusque les États-Unis vont bien, il n'y a que le froid qui nous dérange un peu. Je pense que tu prends bien soin de la grossesse ou de notre bébé. Bien sûr, bébé. Tu sais, c'est l'opportunité que nous attendions depuis. On ne peut pas jouer avec. Je prends particulièrement soin de ça. Comment va ton frère? J'espère qu'il prend bien soin de toi. Terry est si merveilleux, chérie. Tu as besoin de le voir. Il a abandonné son travail pour prendre soin de moi. Viens voir comment il s'occupe de moi à l'hôpital, chérie. Je verrai sa situation lorsque je serai de retour. Est-ce qu'il est à côté de toi? Je voudrais lui parler. Chérie, il n'est pas à côté. Il est sorti avec un de ses amis. Je pense pas qu'il soit vraiment... Ok, je vois, je vois. Comme ça, je vais rappeler pour lui dire merci. J'ai acheté les bonnes choses et je sais qu'elles te paieront. Écoute, je propose t'amener au Japon pour les courses. À mon retour, bien sûr. Oh, bébé, merci. Ta présence me manque vraiment. Attends avec impatience ton retour, bébé. Ne te dérange pas, bébé. Tu me manques aussi. Je reviens très très bientôt. Tu sais, je t'aime franchement. Je peux pas résister à ta beauté. Hé, hey, bébé. Tu recommences encore. Tu me troubles avec tes paroles. J'ai besoin d'être dans tes bras maintenant. J'aimerais que tu apparaisses ici et que tu m'embrasses comme je n'ai jamais été embrassée. Très très bientôt. Comment va George? Va-t-il toujours à l'école? Tu ne peux pas le croire, bébé. George s'engage sérieusement à ses études. Je pense que ses parents ont fait une erreur de l'abandonner. Il est si brillant, tu sais. Et je pense qu'il a un avenir vraiment prometteur. Ok, bébé, je parlerai avec toi dans très peu de temps. Bébé, je t'aime. Sois béni. Bye. Bye. Il passe. Qui ne serait pas jaloux avec une belle femme comme toi? Jaloux. Bébé, j'ai réfléchi au sujet de l'argent qu'on doit transférer. Mm-hmm. Et j'ai réalisé qu'on va se mettre dans de gros, gros problèmes, toi et moi. Comment? Tu sais, il va faire immédiatement un retrait dès son retour. Et comment vais-je expliquer le manquant qu'il fera? Tu as raison, tu sais. Mais je n'ai jamais pensé à ça. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Je suggère qu'on fasse un retrait avant que nos visas ne sortent. Avant qu'il ne constate, nous serons déjà hors du pays. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est une bonne idée. Et ça, c'est une bien idée. Mais nous avons besoin de cet argent. Bien sûr que nous en avons besoin.
Nous avons besoin de ça. Oui. Je veux voir ce que tu fais, Jérôme. Oui, ma. J'essaie de résoudre ce problème que notre maîtresse a donné. Mais j'ai un problème. Et qu'est-ce que ça pourrait être? La résolution des équations. Non, non, non. Compte pas sur moi. Je suis pas forte en mathématiques. Tu as compris? Ne t'inquiète pas, ma. Je vais demander à ma maîtresse de moi. Elle va m'aider. As-tu les nouvelles de mon grand frère depuis son voyage? Oui. Il appelle constamment. Et la dernière fois qu'il a appelé, il t'a demandé. Et je lui ai dit que tu fais des merveilles avec ton école. Merci, ma. Et quand est-ce qu'il revient au pays? D'ici 3 jours. Il y a un problème. Non, pas de problème, pas du tout. Et oncle Thierry, je ne l'ai pas vu depuis. Je l'aime sa compagnie, j'aime ses blagues. Vraiment? Oui! Il est trop drôle. Tu sais, Thierry est un humoriste. Ah, son job consiste à faire rire les gens. Je voudrais moi aussi être un producteur. Alors tu vas travailler durement et apprendre aussi la peinture. Ok, oui, ma. Oui, ma. Oui, ma. Ok, c'est l'heure d'aller au lit. Rassure-toi que tu as fermé toutes les portes avant d'aller dormir, oui, ok? Bonne nuit. Oui, ma. Bonne nuit. Alors, mon amour de scénariste, qu'allons-nous écrire aujourd'hui? Serais-tu capable de réaliser un scénario? Eh bien, eh bien. Le producteur a dit que le script que j'ai fait, il n'aime pas ça trop. Il n'aime pas que je change ça. Et je voulais parler, puis il m'a dit, mets tes fesses dehors. Il est revenu, il est de retour, il est de retour. Il est de retour, viens dans vite. Bébé, je sens la fumée. Oh, bébé, comment tu vas? Merci. Ah, bienvenue. Les j'allais mourir de froid là-bas, je t'assure. Oh. Très très bien, merci. Alors, comment vas-tu? Oh, bien. Thierry est resté tout le temps auprès de moi. Sans lui, avec l'absence, ma vie aurait été misérable. Thierry, je sais pas comment te dire merci. Non, 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 il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est quand même ma contribution pour manifester ma joie à ma soeur. Merci beaucoup. Alors, comment vas-tu avec la grossesse après la consultation médicale? Bien, le docteur m'a rassuré que le bébé évolue normalement. Ça, c'est magnifique. Oh bébé, je suis vraiment heureuse que tu sois revenue. Tu m'as vraiment manqué. Tu sais, j'ai passé mes nuits toute seule sans quelqu'un pour m'embrasser comme tu as l'habitude de le faire. Comme je te l'ai dit au téléphone, je vais le faire pour toute la vie, crois-moi. Concernant le cas de Thierry. Merci bébé, merci. Merci beaucoup. Non, t'as pas besoin. Tu sais Thierry, je ne sais pas comment te remercier d'avoir pris bien soin de ma femme en tant que son frère, bien sûr. Tu sais quoi, je vais financer un de tes films. Comme ça, tu auras l'occasion d'être devant le projecteur. Oh, non, ne me dis pas ça. Mais c'est ce que je disais à Pamela tout à l'heure, qu'il y a un producteur qui a rejeté mon script.
Il a rejeté mes projets. Mais avec, non, avec ce truc-là, je vais faire mon propre projet. Je suis reconnaissant. Merci beaucoup, monsieur. Ah, Georges, comment vas-tu? Bien. Comment ça se passe avec tes études? Non, tout va bien. J'espère qu'il y aura une bonne conclusion cette année. J'ai étudié durement. Bon. Ok. Et je voulais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je sais pas si tu n'avais pas pris soin de moi. Je sais pas ce que je serais. Oh, calme-toi, t'as pas besoin de dire ça. J'ai aussi apporté quelque chose pour toi. Merci. Alors, garde à mes valises, on verra tout cela après. Quand même, merci. De rien. Je pense que tu dois d'abord aller te laver et te reposer. Ou alors prendre ton petit. C'est ce que je vais faire. Allons-y. Ah. Merci beaucoup, monsieur. Et toi, je te verrai après. Merci beaucoup. Ah. Merci beaucoup. Hey, mon beau. Mon beau. Oui, mon beau. Emmanuel. Oui, madame. Ne t'avais-je pas demandé de couper ces fleurs hier? Non. J'ai fait ça, mais ça a grandi dans la nuit. Ferme-la. Tu es là, me donne des raisons banales. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, madame. Va ouvrir le portail là, quelqu'un sonne. Merci, madame. Toi, on doit parler. Est-ce que ton mari est à l'intérieur? Non, il y a un problème. Oui. Il s'agit de quoi? Ok. Il y a qui dans les environs? Il n'y a que le gardien. Georges est parti à l'école. Nous sommes seuls, tu vois. Pamela, crois-moi, il y a quelque chose qui se passe. On doit parler de ça à l'intérieur. Bien, si tu insistes, allons-y. Ok. Alors, chérie, salut. Bien, et toi? Ah, je prends cela comme un compliment. Ah, quoi? Merci. Tu veux dire que mon visa pour le Japon sort d'ici 5 jours seulement? Oh, c'est incroyable. Merci, bébé. De toutes les façons, tu as des connexions. Je crois en toi. Tu peux même faire des miracles. Bien, je ne suis pas aussi seule comme tu penses. Thierry est ici, mais tiens compagnie. Oui, tu veux parler? Je te passe. Allô, monsieur? Oui, je vais bien. Non, 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 regarde, c'est ma soeur, donc... Ok, ok. 2 500 000 pour ma production. Hey, je suis perdue, je sais pas quoi dire. Oh, merci, merci. Dans 5 jours. Non, il n'y a pas de problème. Dans 5 jours. Merci beaucoup, monsieur. Merci, merci beaucoup. Allô, bébé. Bien. Je t'aime. Bah, Thierry, on a 4 jours pour quitter d'ici. Sinon, c'est grave. Tu m'as dit que tu allais à l'ambassade. C'est quoi le problème? Les visas ne seront prêts que dans 2 semaines. Quoi? Comment peuvent-ils être aussi méchants? Après tout l'argent qu'on leur a donné, nous leur avons donné tout l'argent qu'ils demandaient et puis on leur a même donné plus. Prends cette semaine, calme-toi, allons à l'intérieur. Viens, viens, viens.
Je ne peux pas m'asseoir. Ces idiots devaient nous donner nos visas aujourd'hui. Pourquoi ils jouent au bandit? Voilà les visas. Ah, mais pourquoi tu m'as fait trembler? Parce que je voulais te mettre dans le suspense. Hein? Toi, tu ne peux pas imaginer ça. Hein? Et c'est ainsi que j'agis dans mes suites pour garder mes auditeurs dans le suspense. Ah, maître du suspense! Oui. Tu sais quoi? Si Richard cherche à produire tes films, il verra que toi, tu es plus grand que lui. Ah, ce vieux fou là, qu'est-ce qu'il peut bien savoir concernant ce qu'on appelle la production, le script? Moi, j'ai fait ma part de marché, tu sais quoi, je pars. Bébé, je pense qu'il se fait déjà un peu tard. Nous ne pourrons plus rencontrer ce comptable aujourd'hui. Nous allons plutôt le faire demain quand tout le monde aura vacué à ses occupations. Comme ça, on aura tout le temps de parler business. Tu comprends? Oui, tu comprends. Nous parlerons business, c'est ça. Non, tu as tout compris, bébé. Tu es très sage. Tu es intelligent. Sincèrement, tu es trop intelligent. Et tu sais quoi? Demain à 7h, nous serons ailleurs. Dans un nouveau pays. Un nouvel air. Aussi. Hein? D'Amérique. Aussi dit, aussi fait. Embrasse mon bébé. Tu es merveilleux. Waouh! Bébé! Oui, bébé, allez, dis-moi, alors, qui est le meilleur? Oui. Oh, New York, non, 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 Manhattan. Ah, Brooklyn, dis-moi. Oui, allô? Allô, monsieur. Oui? Bonjour, monsieur. Quel problème? Ta voix est bizarre. Oui, monsieur, je reviens juste de la banque selon les instructions que vous m'aviez données et arrivé là-bas pour retirer de l'argent. Monsieur, j'étais trop surprise. Le banquier m'a dit que dans le compte, il ne restait que 10 000 lira. Quoi? Que votre femme était passée aujourd'hui très tôt le matin pour retirer toute la somme qui était en l'intérieur. Quoi? Ça c'est impossible! Comment a-t-il pu donner tout mon argent sans mon consentement? Je suis désolé, monsieur. Je suis fini. Si j'attrape ce directeur, je vais l'étrangler. Ok, ok. Toi, prends soin des choses du bureau. Je te verrai plus tard. Oui, monsieur. Je suis bon. Dis-moi, je n'aurais jamais su que le transfert d'argent était si simple. Mm-hmm. Ouais, tu as juste fait un appel et puis les gars ont juste transféré l'argent comme ça sans problème. Ouais, je lui ai dit que Richard allait définitivement vivre aux États-Unis, alors il a transféré tout l'argent dans ce compte qu'on a ouvert. Non, mais c'est pas une raison assez suffisante. Ah, mais ce gars, il était vraiment très rapide. Oh! Pamela, j'espère que tu n'as pas fait quelque chose de bête. Et même si j'ai fait, c'était pour faire avancer notre business. Pamela, attends. Tu vas vraiment me mettre en colère si tu me dis que tu as couché avec ce gars. Terry! Quoi? Comment tu es si naïf? Je ne pas coucher avec un homme pour un argent qui est à moi? Je suis désolé. C'est juste que cette histoire d'argent-là me saoule la tête. Ce truc de management et banque et tout ça, là, je suis désolé. Hein. De toutes les façons, où est-ce qu'on va là? Je pense que nous devons aller à l'hôtel Goodness of God de Lagos. D'accord. Monsieur le conducteur, tu nous laisses aller. Je peux pas imaginer ça. Je peux pas m'imaginer ça que à cause de la beauté d'une femme et de sa performance au lit, et avec son frère ingrat comme il est,
de partir avec tout ce que tu as eu à travailler depuis des années? Pamela peut partir avec mon argent, mais elle n'a pas touché à ma vie. Et tu vois, personne ne vit pour toujours. Ouais, c'est vrai. C'est juste que je n'ai jamais vu une pareille chose depuis toute ma carrière. Je veux dire, qu'est-ce que je vais dire à mon boss? Que j'ai passé pratiquement 3 mois de travail intense comme ça pour rien? Dis à ton boss d'apprendre à accepter les bonnes choses et les mauvaises non, choses. Non, tu ne peux pas me dire ça. Que tu le veux ou pas, c'est mon argent, pas le tien. Que veux-tu, vous venez? Eh bien, je suis désolé, je ne voulais pas t'offenser personnellement. C'est juste que c'est difficile pour moi, tu comprends. Si au moins tu n'avais pas laissé tes sentiments passer avant mes devoirs professionnels, j'aurais arrêté ces crapuleux. Ils seraient en prison aujourd'hui, je les aurais arrêtés, je les aurais fait arrêter et ils auraient fait face à la loi. Georges, fais attention à la manière dont tu me parles. Tu n'as rien perdu. Pourquoi tu te tracasses? Oh, je suis désolée. Je suis désolée. Ce plan a réussi parfaitement. Bien. C'était le moment de faire la rencontre d'une opportunité. Ah oui. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe avec le signal? Je suis ceux qui sont sortis de la voiture pour entrer dans le parking de l'hôtel. Et nous ne pouvons pas les contrôler là-bas dedans parce que nous n'avons pas installé de caméra là-bas. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé vos agents sur place? On a essayé. Mais le gardien, il a dit que ce n'était pas possible. Mais si je peux poser une question. Juste une dernière question pour la dernière fois. De quoi s'agit-il encore? Vas-tu laisser partir ces deux voyous avec tout ton travail depuis des années? Vas-tu les laisser partir après tous les abus qu'ils ont eu à commettre contre toi sans les faire payer? Georges, tu te déranges beaucoup pour rien. Je n'ai pas tenu compte des abus, des insultes. Je te l'ai dit, personne ne vit pour toujours. Un jour, ils rencontreront le dernier jugement de Dieu. Et là, ils sauront que Dieu existe. S'il vous plaît, pouvez-vous garer là? Merci, merci. Merci, monsieur. Vous pouvez descendre de la voiture, monsieur, s'il vous plaît. Eh bien, bon après-midi, monsieur, madame. Désolé de vous interrompre. Je suis l'inspecteur Frank. Et lui, c'est mon collègue, inspecteur Alain. Eh bien, il est de mon devoir de vous dire que vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Eh bien, nous ne savons pas. Nous sommes juste porteurs d'instructions. Eh bien, pour plus d'informations, vous allez nous suivre au poste de police. Non, 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 nous ne partons nulle part. Vous ne pouvez pas nous arrêter pour aucune raison, sans raison valable.
Vous avez le droit de garder le silence parce que tout ce que vous direz pourrait être retenu quoi qu'on voit la barre. À mon officier, vous devez nous aider. Nous savons un vol à prendre. Nous sommes désolés, mais votre vol est annulé. Quoi? Je veux dire qu'il est interrompu jusqu'à ce que tout soit. Monsieur l'officier, vous n'avez pas entendu. Nous avons un vol à prendre. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Est-ce qu'on peut partir? Écoutez, j'ai une meilleure offre à vous faire. Négocier quoi? Vous aurez notre terrain d'entente, non? Et vous aurez dit cela au commissaire. S'il vous plaît, on peut partir, allons-y maintenant. Mais au moins, est-ce que mon frère soit m'écouter pendant qu'on y va? Non, 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 vous n'avez pas besoin de ça. Allez juste à l'intérieur, c'est tout. Je désire maintenant savoir pourquoi est-ce que nous avons été Bonjour, arrêtés. Bonjour, monsieur. Voici les suspects, monsieur. Suspects? Oui, monsieur. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous pouvez partir. Merci, monsieur. Je voudrais maintenant savoir pourquoi nous avons été arrêtés. Arrêtés comme des bandits, des criminels dans notre propre pays, sans même nous dire pourquoi. Vous allez payer pour ça. Et nous faire rater un vol. Vous n'avez pas besoin de crier de cette façon. De toutes les façons, très bientôt, vous saurez pourquoi vous êtes ici. Pour commencer, connaissez-vous cet homme? C'est mon beau. C'est mon mari. Ok, et lui, c'est son frère. Bon, disons mon beau frère. Jusqu'ici. C'est ma soeur, bien sûr. C'est toi qui as manigancé tout ça. C'est toi qui as donné l'ordre pour qu'on nous arrête. Bien sûr, je l'ai fait. Mon amour, comment tu peux faire ceci à ta femme, non? Veux-tu savoir pourquoi tu es arrêté? De un, Georges n'est pas mon neveu, mais un détective. Quoi? Dès le premier moment qu'il arriva à la maison, il a commencé son enquête. Il sait tout ce que vous avez fait ensemble. Il connaissait à propos de ta grossesse. Et tout suit ton frère chéri qui est juste là avec nous. Tu prétendais être son frère. En passant, je suis au courant. Vous avez vidé mon compte. Je vous suggère une chose. Voici le téléphone. Vous devez appeler votre banque des États-Unis pour qu'on expédie mon argent rapidement. Bébé, s'il te plaît. Bébé, je suis Madame, vraiment désolée. Pardonne-moi. Il est trop tard pour demander les excuses. Pardon. Pardonne-moi. S'il te plaît, c'était simplement une erreur. S'il te Sergent, plaît, s'il te plaît, pardonne-moi. Venez m'enlever ça d'ici, s'il vous plaît. Pardonne-moi. Venez m'enlever ça, je ne veux plus voir ça. Amenez-les loin d'ici. Pardonne-moi. Amenez-les loin d'ici. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît, mon cœur. Suivez-moi, monsieur. Ah non. Marchez. Qui m'emmène, s'il te plaît. Hé, hey, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bébé. Arrêtez de... Ne t'inquiète pas, je viendrai vous voir en prison. C'est trop tard, excuses. Vous savez, tant que l'homme vit, vous savez, nul ne connaît les limites de l'homme. T'es surpris, n'est-ce pas? Tu n'aurais jamais cru qu'on aurait pu faire ça. Qu'on aurait pu arriver à ce résultat. Oh, Georges, tu vois, tu es très intelligent. Mais il fallait qu'on crée un autre plan. C'est comme ça donc que j'ai contacté ton boss
De telle sorte que dès qu'on finisse avec ton plan, on entame un autre avec une autre équipe sur le terrain.